Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer un nouveau tirage de tarot. Nous allons commencer avec le tarot des druides. Le thème de la vidéo, c'est de savoir si ça va chauffer avec les jeunes. Au fil des discussions, de ce qu'on peut lire à droite et à gauche, on voit que un bon nombre d'entre eux ne sont pas très satisfaits du monde dans lequel nous vivons. Ils ne sont pas très satisfaits notamment de l'état dans lequel nous leur laissons ce monde. Puis aussi, ils ont vécu assez durement cette période sanitaire et ça leur a causé des difficultés, ça peut leur en poser encore. Eh bien, notamment cette période de rentrée qui se profile, je m'intéresse à savoir si ça risque de chauffer avec les jeunes et donc, voilà, manifestation entre autres. Et donc, eh bien, je vais partager ce tirage de tarot avec vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah oui, faites-moi le petit point météo par chez vous. Ça nous intéresse toujours de voir ce que ça donne face à cette sécheresse qui n'en finit pas. Voilà, donc, écoutez, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Allez, on va regarder ça avec le tarot basque, donc, en premier lieu. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez être sûr d'avoir la synthèse. Et on y va joyeusement. Allez, encore une petite place et c'est parti. Est-ce que ça va se souffler avec les jeunes? En France tout particulièrement, hein. Ici. Voilà, eh bien on a sorti pas mal d'arcanes, hein, d'accord, donc on va regarder tout ça, j'enlève ce qui n'a pas été choisi par le pendule, et on va voir si, eh bien écoutez, ça risque de chauffer avec les jeunes dans les semaines, les mois à venir. J'ai sorti pas mal de cartes. Hein. Ah. Bien. Alors, on va éclairer tout ça avec le tarot des druides. Alors, une période de changement s'annonce, hein, par rapport à ce que l'on vit actuellement. Donc, c'est vrai que on n'a pas vu beaucoup de manifestations de jeunes ou de périodes où ils demandent des comptes, hein, depuis un petit moment. Il semblerait que tout ça va changer. Hein. Je vous ai sorti ici cet arcane la mort, hein, ce grand changement. On voit bien qu'il y a une page qui se tourne et donc finalement il va y avoir, à mon sens, un changement de cap qui va être demandé, qui va être assez radical, un changement d'assez attitude. Qui va se heurter finalement à une espèce d'incompréhension, j'ai un peu l'impression. Hein. On a ici ce seigneur qui campe un peu sur ses positions, tout ça va être assez
De premier abord, en tout cas, le contexte dans lequel nous sommes semble assez froid, assez rude. Il y a d'un côté cette volonté de changement et puis cette nécessité de changement, et de l'autre côté, on se heurte un peu à une espèce de vieux monde, d'accord? Ceci étant, je pense aussi qu'il y a un changement de style. Voilà, la manière dont chacun a exprimé ses idées ou revendiqué ses envies est en train de changer, et on voit quand même que finalement il va y avoir je pense en tout cas au niveau de la jeunesse, il va y avoir un regroupement, hein, des idées communes, une énergie commune qui va se mettre en place. Je vous dis ça, c'est parce que je sors ici des amoureux, hein, donc on voit bien une adhésion, hein, une vibration commune, hein, qui est en train de se mettre en place, et assez forte, hein, un idéal assez fort qui est là, et un idéal pour refaire le monde, d'accord, pour vraiment reconstruire le monde d'une façon différente. Donc on va dire que je pense que par rapport à ce que nous venons voir juste avant, notamment avec cette faucille, hein, cette mort qui s'est été annoncée, on voit bien qu'ils veulent en finir avec ce monde tel qu'il existe aujourd'hui. Ils veulent reconstruire une société complètement différente de ce que l'on vit actuellement et de la société passée. Donc ils veulent vraiment tourner la page. Et on voit que donc effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça se heurte quand même avec des choses qui sont belles et bien assises, bien ancrées. Cependant, comme vous le savez, l'union fait la force. Et on voit que tout ça va quand même être assez entendu. En tout cas, que l'idée va faire son chemin. De toute façon, il y a aussi tout un tas d'autres événements extérieurs qui vont faire qu'on n'a pas trop le choix que de changer. Et on le sait, on le voit dans tout un tas de domaines et aussi au travers de tout un tas de tirages. Et d'ailleurs, cette tempérance, hein, ici, couplée à cette personne, à cette férilite, hein, qui réinstalle son intérieur, nous laisse penser que de toute façon on installe les choses d'une façon différente, qu'il y a du changement, que de toute façon, même si il y a une espèce comme je le disais tout à l'heure, hein, on voit que ce changement il va se heurter à une espèce d'immobilisme, hein, représenté ici, mais on voit quand même que de toute façon l'union fait la force, comme je vous l'ai dit. Et que tout ça, bon gré mal gré, sans erreur, tout ça fait qu'on va retourner à quelque chose de différent qui va être sans doute plus confortable pour la jeunesse. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais si on regarde notamment cet arcane de la férilite, hein, on voit une personne qui finalement cuisine dans un chaudron. Oui, alors un chaudron magique, certes, mais une maison qui a l'air assez et un peu ancienne. On voit le pan de bois comme ça. Donc on voit que c'est au confort assez spartiate. Et ce qui laisse penser qu'on retournerait à certaines valeurs qu'on a été oubliées. D'accord? On se projetterait dans l'avenir avec des choses qui ont marché dans le passé. Et ce message-là, on l'a assez souvent, notamment quand on s'intéresse, pardon, à des choses liées au climat. Alors, ce qu'il va y avoir, il va y avoir quand même, hein, je pense, dans les semaines et les mois qui viennent, on va être avec deux mondes qui vont s'opposer. D'accord? Le nouveau monde qui veut regarder l'avenir avec plein de sagesse, et puis ce côté un petit peu, c'est moi qui possède des choses, on change rien et je m'impose. Hein, donc on voit qu'il va y avoir cette opposition entre cette volonté de changement et de regarder l'avenir, et celle de ceux qui préfèrent continuer, hein, finalement à vivre tel que c'est aujourd'hui, dans l'instant présent, parce que finalement ça leur profite comme ça. Et on voit qu'il va y avoir encore une dualité qui va être assez forte entre cet ancien monde et ce nouveau monde qui est voulu, quoi, d'accord? Donc ça risque quand même de remuer pas mal de temps. Et donc, bon, on voit que ça va quand même aboutir, hein, que je pense que ce changement voulu, nécessaire, va aboutir, hein. On a ici encore à nouveau cet arcane de monde, hein, qui nous annonce une reconstruction et puis finalement plutôt l'abondance. Mais, on sent qu'à un moment donné, ça va, oui, ça risque de bouger très fortement. Voilà, on a la foudre, hein, on voit bien qu'il y a la colère et le changement qui vient. Alors, je ne verrai pas tout de suite, hein, moi, ce changement. Hein. Je pense que vraiment, l'expression du ras-le-bol et de la volonté de changement se fera. Allez, fin d'hiver, printemps prochain, je pense que je verrai quelque chose comme ça. D'accord? L'énergie va être là, la volonté va être là, mais avant, il va y avoir des rassemblements, des courants d'idées, des discussions, des propositions qui vont être là, et puis c'est parce que quand ces idées vont prendre de l'ampleur et qu'elles vont se heurter à cet ancien monde, à cette dualité que je viens d'évoquer, alors là, ça risque quand même de dire non, faut tout changer.
Ça va s'exprimer assez fortement, mais je verrai ça plutôt moi vers le début 2023, j'irai le printemps 2023, d'accord? Et là, il y aura du changement, hein, il y aura, on va vraiment vibrer, ça avancera parce que ce sera quand même assez entendu. On synthèse, hein, et ce qui vient confirmer ce que je viens d'évoquer, c'est que, un, on a quand même cette interrogation, hein, ces interrogations et ce retour à des fondamentaux, donc ça c'est assez intéressant, on va retourner finalement, on a la jeunesse qui va piocher dans le passé pour reconstruire un monde plus qui va leur sembler plus sensé et plus confortable. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit que ça va avancer, je vous l'ai dit, au travers des différentes arcanes positivement. Hein, on voit qu'on avance vers le soleil, hein, c'est l'arcane du soleil qui est ici. Mais tout ça va bien sûr va se heurter à, évidemment, à certaines volontés contraires, à certaines forces contraires et pas toujours très, très agréables et très bienveillantes. Nous avons ici le diable, mais, et assez conformément à ce qu'on a pu voir donc au travers des autres arcanes, on voit que finalement les arcanes positives, les arcanes de changement, les arcanes de regroupement, de bienveillance, d'abondance et de changement sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus nombreuses que les arcanes d'opposition évoquées comme par exemple ici avec le diable, et que donc même si c'est tumultueux à un moment donné, et que oui, ça va se faire un peu avec une expression assez forte, symbolisée ici par la tour. On voit quand même que ben donc même s'il y a des oppositions, les choses sont amenées à changer, à évoluer et de façon qui sera assez favorable, hein, d'accord, qui rapportera une forme de stabilité de lumière. Donc, est-ce que les jeunes vont s'exprimer? Oui, mais ça va être sur quelque chose d'assez qui va faire consensus, d'accord? Il va y avoir vraiment des idées fortes, une reconstruction forte, un idéal très fort qui va se reconstruire. Nous entrons dedans maintenant. Là, nous sommes dans cette période de changement que j'ai évoquée au tout début du tirage. Ça va prendre quelques mois, ça va commencer à s'exprimer peu à peu et puis assez fortement parce que voilà, même si tout est là et que tous les événements sont là et que toutes les preuves et tout ce qui est souhaité est présent, bien sûr il y aura quelques volontés contraires qui voudront freiner les choses en affirmant oui mais nous on est là donc finalement cet ancien monde sera là et donc il ne voudra pas trop bouger. Donc il y aura ce petit moment d'opposition que je situerai plutôt moi au printemps 2023. Voilà, ça va triompher, hein. Ce changement, il va s'opérer, il va se triompher. Donc, on entendra les jeunes s'exprimer. Ça va commencer par des courants d'idées, avec l'expression d'idées, sans doute exprimées d'une façon un peu plus forte verbalement, avec pourquoi pas, oui, des manifestations, des choses comme ça. Ce sera assez bref, assez fort, parce qu'on retournera vite, finalement, à cette raison, à leur raison, hein, parce que leurs propositions sembleront aller dans le bon sens, hein, si on en juge par la tempérance et par le soleil qui s'annonce. Et puis elles seront aussi extrêmement fondées. Et donc voilà, ça fera bouger les lignes. Donc, est-ce que les jeunes vont s'exprimer? Ils vont exprimer une colère? Ils vont s'exprimer, d'accord? Ils vont exprimer vraiment des idées. Je pense qu'on va les voir se fédérer autour de choses, des valeurs qui vont leur paraître vraiment très essentielles. En tout cas, il y aura une volonté de faire changer les choses et de redistribuer un peu les cartes et ne pas tout laisser entre les mains des mêmes. Donc il va y avoir cette première période de regroupement, de reconstruction. Une deuxième étape où effectivement ça va être exprimé assez fortement, mais ce sera assez bref. Et bon, il y aura oui, un peu d'opposition, un peu de tension à ces moments-là. Donc je cite tout ça plutôt au printemps, comme je vous l'ai dit. Et puis finalement après, on ira, je pense, vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif et de plus conforme aux attentes, hein, et ça permettra d'avancer, de faire avancer la société dans la globalité. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant à ce sujet. Ben écoutez, j'espère qu'on suivra, déjà on suivra ça au fur et à mesure du temps et on verra ce que ça donne. Et puis ben, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous avez apprécié. Et puis, eh bien je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.